Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 60e épisode de la série Dexai, toujours avec l'empereur Roland Cœur de Lion, qui a maintenant 51 ans. Un héritier qui finalement est pas si dégueulasse que ça, hein, honnêtement, qui a déjà 22 ans. Et qui a une fille pour le moment. Ok, pour le moment il a une fille, en même temps sa femme est homosexuelle. Ah bah merde. Ouais. Eh oui, c'est vrai que comme un idiot, je lui ai donné le titre avant de le marier, bah voilà. C'est vrai que du coup il s'est marié par lui-même, je me suis fait avoir. Bref, on peut nommer encore des personnages, on peut donner des titres, donc on va le faire immédiatement. Hop, le duc de Haute-Bretagne, on va le donner ça, le maître des écuries, on va le donner... Tu serais bien hérétique toi, le duc de... Ah bah oui, je suis en guerre contre... on va regarder ça après. Ouais, bah toi, allez, on s'en fiche en fait, même si c'est un compte. On peut nommer un nouveau commandant, on va prendre lui, même s'il est pas foufou. C'est quoi son truc qu'il a là ? Pièvre des camps, ah oui, allez, c'est moche. Et donc on reprend, on va rebaisser un poil la vitesse hein, quand même. Et quoi, c'était arrivé dans la guerre, cela dit. Bah d'ailleurs c'est quoi, pendant que hop ça continue par là, on va aller s'occuper de l'Écosse. Ça va largement suffire en bateau. Et on va aller débarquer là, taper de l'écossais. Alors, attention quand même parce qu'on en a que 5000 troupes. Oh bah. C'est même pas la peine, vous voyez. Oui, en même temps, j'ai oublié la moitié de mes troupes. Hein. On a hérité de l'objet de Thomas. Il a probablement connu des gens meilleurs, maître. C'est un garde avant tout, nous avons développé un 20. Nous ne sommes pas sûrs de vouloir nous débarrasser. Alors, soit mon sceptre. Le sceptre noble. C'est de la merde, ça. Oh oui, non, mais je m'en tape. Hein. Hop là, on le détruit. Ouais, c'est le bon vieil événement qui fait perdre un objet, on s'en fout. On va redébarquer avec notre armée. On va finir le siège et puis on va aller taper les troupes qui sont là-bas. Ah oui, c'est l'Empire de France, c'est vrai. On a petit à petit l'escorte qui remonte, hein, mais c'est encore... On va la mettre à Rennes, l'escorte. Ferdinand le Maudit a refusé de révoquer le comté de Pavie malgré la demande du Kaiser. Merde, c'est une guerre interne ou pas ? En quoi ça me concerne ? Vitesse 3. Il vient de pouvoir le capturer. Quelqu'un, mais c'est pas lui. Passion de titre dans tous les sens. Enfin, tant que moi je m'en fous un peu hein, entre nous. Mais... Martapia, c'est un document pour moi, c'est vite hérésie.
clairement on s'en fout. Ah bah il aura pas fait long feu lui. Pas le roi de Suède quoi. Il a pris que le chaplain fait des progrès dans la recherche de l'interface pour penser que la piste est sur le point d'aboutir et que bientôt la relique sera à moi. Bon bah on verra bien. J'ai envie de dire. Ça serait rebelle un petit peu partout. Oh. Bon, bah, on va demander à un autre conseiller, on va prendre lui. Ils disent que je peux lui demander. Ouais, recherche d'artefacts. On va lui demander, hein. Le faire. On va accélérer parce que cette guerre est interminable. Ça avance pas, hein. Que je fasse de plus moi. Sortir mes troupes pour multiplier et faire un siège supplémentaire, oui c'est pas bête. Ouais alors, désolé si j'ai des petits lags, hein. C'est parce que je suis en train d'uploader un épisode en même temps. Et je pense que le double accès disque dur il kiffe pas trop entre nous. Surtout qu'en vitesse 5, bon alors là le jeu il prend cher en général donc c'est sur la fin là, je vais bientôt pouvoir fermer, ça devrait être un peu mieux. Je dis ça, vous en rendez peut-être même pas compte. Hein. Moi oui. Ouais, donc là, bon, on continue de faire des sièges, mais alors ça n'avance pas du tout. Hein. On peut déclencher un assaut, bon, on va le faire. Hein. Voilà. Pareil. Là non, c'est trop risqué. Ok, là c'est complètement terminé. On va aller tomber sur eux. Ok, là, un nouveau saint au paradis. Oh, c'est pas mal de saints tout ça, non? Ouais, il y en a un peu plus. Hein. Sur une partie ça va, ça reste. Il y en a beaucoup, mais il y en a... Sur une partie entière, c'est pas si énorme, quoi. Lancer un assaut aussi. Là c'est une victoire. Hop, on va attendre 91%, ça va se finir très très rapidement. On est à 100%, hop, on l'emprisonne et on lui révoque le titre du royaume du Pays de Galles. Voilà, terminé. Et ça c'est quelque chose que je récupère maintenant. Ah oui, alors par contre, il faut effectivement que je change la loi de succession, visiblement. Alors, il faut qu'aucun vassal n'affronte un autre vassal. Il faut que personne n'ait d'opinion négative de moi. Ouais, bon bah forcément j'en ai bien un ou deux. Hein. Lui même pas trop. Donc lui encore on va pouvoir l'influencer.
Ah oui, ça c'est un autre duché, ça. Bah oui, non, c'est bon. Faut que je lui donne. Au passage, le bâtiment parfait. Transférer le vassal qui est en prison. Ah, je crois, hein. Je peux lui révoquer. Ok, je peux lui révoquer. Comté de Ross. Et les comtes d'Anglésie. Ouais, bien compte de tout. Vous savez quoi? Il va être content aussi de ça, je m'en fous. Là, il va être content, voilà. Du coup, je pense que j'ai plus de vassaux qui ont... Ah bah c'est bon, voilà, impeccable, ça y est. Donc, pas de partage salique, de la primogéniture, comme toujours. Voilà, déjà on reviendra plus le titre, normalement. Alors, notre chaplain a passé de nombreuses semaines par suivre son ancien volume et rouleau à la recherche d'informations complémentaires sur l'artefact supposé. Il déclare être sur la bonne voie, mais apparemment la progression est lente. Il vous demande d'ordonner aux meilleurs érudits de l'aider. On aura un peu moins de technologie pendant 5 ans, mais on va le faire. On va le faire un peu, c'est sympa. Donc, du coup, au passage, et puisque lui au point où on en est, on va lui donner en vice-royauté le royaume du Pays de Galles. Voilà. C'est fait. Ensuite, on referme toutes les troupes, la flotte. L'escorte, ça monte toujours. Bon, par contre, voilà. Une nouvelle ambition. On a constitué un trésor de guerre. Et oui, on peut faire ça, effectivement. Attendez, excusez-moi. Petite seconde, ça va aller vite. Voilà, je vais fermer ça. Ça devrait être un peu mieux. Décaler ça. Hop là. Voilà. Alors, au niveau des guerres qu'on va pouvoir déclencher, je vassaliserai bien l'Écosse, histoire de... Hop là, nous revoilà. Un petit bug. Rien de bien méchant, on fera sorte d'améliorer ça si un jour j'en fais une série quand même. Tac, tac, tac. Donc, déclarer la guerre, établir un état tributaire, voilà. Alors... Donc... Ah, c'est quand même bien d'avoir ces stacks de troupes là, hein. On est bien tranquille. On va les faire aller là, lui aussi. Les autres vont remonter. Et enfin, ça c'est quoi? C'est... Elle est où ma... Ouais, mon escorte. On va la mettre dans le main. Voilà. Bon, je pense que j'ai vraiment besoin de me faire chier à prendre toutes les troupes. Après tout ça, on range. Tout ça, on range. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Ça me paraît déjà bien suffisant. Ouais, il a créé le bûcher de Salerne. Du coup, ça veut dire qu'on ne l'a plus, mais c'est aussi bien. Hein. De toute façon, il ne nous appartenait pas vraiment. Votre fille va parvenir ici avec une offre d'accord de contribution significative à votre trésor de guerre, mais je change de voile et de même faveur. 200 pièces d'or et je dois une faveur. Non, non, on va refuser parce que j'ai. Ce monsieur me gêne un peu. Par contre, je vais lui demander le partage salique. Ça, oui. Il a plusieurs enfants. Remarquez. Non. Non, ça va multiplier mes vassaux, donc en fait c'est pas intéressant. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai mon escorte qui est dans le tas, moi non? Là, ouais, elle est là. Donc, non, paf, toi tu t'en vas. Et là-haut, on vient faire les sièges. Au
On a un fils sans terre, Guy de Conteville. Le vice-roi d'Aragon qui veut que ma fille... On va refuser dans le doute. D'accord, donc... Carrément, quoi, toi tu... T'es comme ça. Est-ce qu'on peut essayer de le... Est-ce qu'on peut le... Ah, pourtant il m'aime bien, lui, mais... ouais. On va le contraindre, si ça marche. Alors, on va monter... On va prendre les bateaux. Comme d'habitude... Vous savez quoi, ça me casse les pieds. Je vais construire des chantiers navals partout. Bah non, j'ai pas de sous, merde. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Par contre, je vais suspendre ça. Et là, elle est même pas en cours. Alors. C'est long, hein. C'est vraiment long à faire et c'est très coûteux, hein, ces bâtiments. Belle que... Je vous avais raison. Ok, c'est bon. On a eu raison. Ça va calmer. Ce qu'on va faire ici, on va ouvrir une nouvelle armée. Oh non, c'est trop. On va les amener là. Voilà. Et avec mon armée qui est là, on va débarquer ici. Puis d'ailleurs, on va les amener là. Ouais, alors niveau art c'est un peu la panique. Faut que je sorte, je rentre mes bateaux et vite. Faut se dépêcher de finir la guerre contre l'Écosse le plus vite possible, hein, et puis ça devrait remonter assez vite. J'espère en tout cas. Ou pas. On peut extorquer nos sujets, tiens, on va le faire. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Ouais, bon, ils sont pas très contents, bah oui, mais il faut participer un peu. Ouais, bon, ça a pas. Honnêtement, ça a pas fait un bien fou. On va annuler l'escorte surtout. Voilà, zéro l'escorte. Ça va aller mieux, je pense. Ton fidèle vassal peut parvenir à la mission avec une œuvre. Il est d'accord pour contribuer significativement en échange de 200 pièces d'or. Non, j'ai pas envie de devoir des faveurs, même si c'est tentant, hein, de prendre de l'argent. Hein. D'ailleurs, merde, ouais, alors est-ce que je peux abolir le pouvoir? On a un partisan, on a deux partisans, parce que j'imagine que du coup le conseil est un peu, nous aime un peu moins bien. Ok, donc on va voir qui on peut changer. Bah, le chancelier par exemple, c'est lui d'ailleurs, hop, même pas trop. Voilà, notre fils nous aime bien, il va venir là. Maître espion et l'intendant. Ouais, le chapelain. Maréchal, il nous suit déjà ou pas? Ouais. Le maréchal nous suit déjà. Ouais, pas terrible, pas terrible. Pff, notre femme à la place de lui pendant un moment. Ouais, bah, au moins, voilà. Si on abolit le pouvoir du conseil, ça devrait le faire. Taille de domaine plus 2. Ça, c'est un début, mais... ouais, vas-y, si tu veux. Je m'en fous. Alors, au passage, recherche de progrès militaire ici. Toi, tu restes en mode comme ça. Progrès économique, oui. Progrès culturel, oui. Espion, bah il fait mieux juste un moment. Voilà, donc on a le pouvoir absolu. Et prochainement, il faudra que je mette en administration impériale. J'aurai
plus 25 vassaux. Ouais, ça j'aurais même dû le faire carrément plus tôt. Bon, là, j'ai le temps, c'est dans 10 ans. Chevalier errant est arrivé à ma cour, bah parfait. Bien joué, Walter le sanglier. Apparemment, de son nom. Nommé roi du pays de Galles, passe plus de temps avec moi. Non, non, on s'en fout. C'était pour avant, c'est plus justifié maintenant. Quelqu'un qui déclenche les assauts pour nous, bon, à la limite, ça me va. Hein. Bon, on va peut-être accélérer un peu les choses en déclenchant des assauts, effectivement, parce que... De toute façon, l'Écosse peut rien faire contre nous, hein, clairement. J'étais pas très inquiet. Des troupes, mais c'est pas grave, ça va accélérer un peu les sièges. Alors, c'est un truc qui fait que bon, faut juste continuer à faire des sièges, il n'y a pas quelque chose qui nous fait un négatif. Diable, carrément. Alors lui, il veut que ma fille épouse lui. Oh, s'il veut. Honnêtement... Le vassal de Rorgue d'Evreux. Je suis contraint à simuler. Ouais, non. J'ai pas envie. Ne donnez pas d'or, c'est bon, l'or va remonter maintenant. J'avais remboursé les juifs au fait, moi. Non. Ça me fait quoi en fait comme malus? Je sais même pas. Ah ouais. Non mais arrêtez de vouloir m'aider à ma guerre, j'en ai rien à foutre. Oui, notre escorte. Allez, on termine un peu tous les sièges qui sont en cours. J'accélère le temps. Tac. 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 On est 19. On va se faire un nouveau territoire qu'on n'a pas. Maréchal, ramenez-moi ce traître. Ok, donc lui il a fait des progrès, tant mieux. Arrêtez de me demander de me proposer de l'or là. On va rembourser notre dette aux juifs, voilà, ça sera fait. Tuant, ouais. Essayer de se distraire, c'est la guerre après. Oui. C'est affreux, mais c'est comme ça. Le duché de Séville, il n'existait pas déjà. Je comprends rien. Moi. Ça va, il cumule bien lui. Hein. Allez, ça va être la fin de l'Écosse là.
prochain assaut contre moi de désespoir. C'est terminé, oui. Vous êtes devenu mon vassal, voilà. Enfin, mon tributaire de moi, normalement, c'est ça. Bon, après, je croyais qu'il prenait ma couleur, mais non, effectivement. Peut-être pas. Bon, cela dit, ça devient mon tributaire. Et avant que j'ai une menace qui apparaisse, parce que visiblement c'est pas encore le cas, ça pourrait être l'occasion. Alors, le Saint-Empire, il a que 66 000 troupes, entre guillemets. J'en ai énormément plus. Je pourrais déclencher une guerre. Guerre papale. Non, mais carrément, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer des... Pas faire comme on avait fait, là, de récupérer carrément des... Sur les Flandres. Ouais, ça permettrait de récupérer ça. Sur Toulouse, ça permet de récupérer ça. C'est des comtés, quoi, donc... Et sinon, la Castille, on est alliés, c'est vrai. Pas Léon, par contre. Ouais, alors après, si c'est juste pour ça, non. Personne pour la Kabylie. C'est où ça, Adrar? Non, ça m'intéresse pas. Pour la Kabylie, éventuellement, pourquoi pas, pour récupérer ça ou ça ou ça. On va faire ça. Petite guerre, là, ça faisait un peu longtemps. Mais c'est pas... Disons que c'est plus une guerre contre les... des catholiques que j'aurais aimé faire, quoi. Ah, sinon le pape. Dispute frontalière pour ça. J'ai pas de revendication de jure. Il y a des prétendants pour ce titre-là. Alors non, ce qu'il me faudrait, c'est carrément... parce que ça, c'est le duché du Dauphiné. Voilà, on a des prétendants au duché du Dauphiné. Ouais, c'est une revendication faible. Merde. On a personne d'autre, quoi. Oh, c'est triste. Parce que franchement, là, j'aurais eu un prétendant pour le duché, c'était bon, quoi. Oui, mais il va pas me l'accorder, hein. Ouais, ok. C'est le Saint-Empire, quoi. Mais pareil, je suis un petit peu déçu, le Saint-Empire. Je pensais que j'en pouvais revendiquer des grandes choses. Et en fait, non, je peux pas vraiment. Hein, c'est... J'avais récupéré la Bourgogne. J'ai la revendication du jeu pour Ferrare. Non, je m'en fous. Enfin, moi, c'est plus les duchés qui m'intéressent, quoi. À la limite, je récupère Toulouse. On va se rater, hein, parce que... Je perds 1000 de prestige pour déclarer la guerre sur ça. Oh, ça, j'en ai rien à foutre, remarquez, parce que le prestige que j'ai. Ouais, pour récupérer le comté de machin ou ça, je m'en fous.
C'est jouable, hein, mais c'est chaud quand même. Hein. Je voudrais pas faire la guerre de trop, quoi. J'ai déclaré ma grève, mais je suis sûr que ça va déclencher une levée de bouclier contre moi, quoi. Bon, déjà, toi, tu vas me travailler un petit peu tout ça. On va attendre de voir si ça crée une menace ou pas. Il a une menace contre lui ou pas, lui ? Non. En tout cas, il s'est peut-être pas étendu depuis longtemps. Hein. Là, au moins je l'ai au moins. Le roi d'Écosse contre les armes contre. Oh bah t'es en train de la perdre ta guerre, mon gars. Pour obtenir quoi ? Allez, hop. Allez, Sogne. Ah oui, ils veulent récupérer ça là. Unité du royaume de Bretagne, très bien. Donnez à lui. Tiens, c'est à toi maintenant. Ouais. Bon, à mon avis, on va la perdre la guerre. Je peux essayer d'aller faire un tour, hein, mais. Pendant que le prince Bernard de Valence et Stéphanie Cluny se marient. Le temps de dire oui. Bon. Le duc de Penthièvre et du duché de Penthièvre. Oui. C'est marrant, j'ai pas eu de menace contre moi, donc. Pour moi, ça me va, hein. Choper des troupes par là. Première armée qui va aller ici. Là, on est repassé à 97%. On peut peut-être inverser le cours des choses ici. Oh, ça se sonne bien ça, 250 pièces d'or. Ouais. Pour moi, on le garder. On va surtout le garder au chaud. Deuxième armée qui va venir là. Là, on a une troisième armée. Qui va venir là. Ah, il y a 99%. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un siège tout de suite. Alors, descend 95. Et surtout, je pense que ce qu'il faudrait faire. C'est venir là. Et aller faire un assaut là-bas pour récupérer le territoire. Attendez, hop, tout ça. Non, on peut pas atterrir, c'est pas chez nous. Je crois que je pourrais regarder, hein, mais. Ouais, si je peux le faire descendre très très vite comme ça.
L'évêque Radolf est revenu avec une langue bien préservée. Il a la preuve qu'elle a appartenu à un saint. Peut-être pourrait-elle me donner une partie de l'éloquence qu'il possédait autrefois. Alors, la langue d'un saint... Je vais m'assurer qu'il sera raisonnablement récompensé. Même après tout, mieux, je lui dois une faveur. Ouais, on va le payer quand même, hein, pour remercier. Ouais, d'accord, contribuer à ma guerre. Non, mais arrêtez de me faire ça, je veux pas. Alors, du coup, voyons voir. On a la langue de Sainte-Cécile, qualité 4. Ok, ça me donne une opinion. Non, c'est pas ça, obtenu en 55, non. On a des petits trucs, hein. Ah, diplomatie plus 1. Ah ouais, elle est que de qualité 1, mais le petit... alors que l'autre est de qualité 4. Et c'est quoi la langue Sainte-Cécile, là, c'est la langue d'un saint. Plus 1 diplomatie. Bah écoutez, on va le prendre, hein. C'est clairement. Clairement pas dire non. On va se dépêcher d'aller se poser là-bas. Alors, où est-ce qu'on en est ici? On a une autre armée qui est prête aussi. On va aller faire des sièges par ici avec eux. Hop, 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 hop. Ouais, bon, on va attendre sagement. On va choper eux. Et eux. Ah. Notre femme est morte. De cause naturelle à 58 ans. Alors, on peut se remarier. Ouais. Y'a pas quelqu'un dans le coin là avec notre personnage, une comtesse quelconque qui est pas mariée. Et puis on pourrait faire un enfant viteuf. Y'a pas de chance, hein. On peut tenter ça. Honnêtement, j'y crois pas, mais on va tenter ça. Le mariage, purement intéressé, quoi, hein, clairement. Ah, attendez, non, avant de faire ça, est-ce que lui, j'ai possibilité de le tuer? C'est faible. Hein. Ah, voilà, ça pourrait tout changer. Hein. Ouais, alors ok, on va faire ça. Cela dit, ouais, je suis pas sûr de moi en fait, parce que du coup, c'est pas cet enfant-là qui sera mon héritier. C'est un peu ridicule ce que je fais, je pense. Non, mais puis elle a 44 ans, elle me fera personne. Bon, tant pis, j'ai perdu de l'argent pour rien, mais non, non, on va pas prendre cette dame. Je vais chercher dans le monde les femmes titrées. Ils sont pas mariés. C'est où ça? Ouais, bon, non. Non merci. Alors, si c'est possible de ma culture. Non, de mon groupe culturel. Et de mon groupe religieux, voilà. Ça pourrait être bien ça. Ouais, de toute façon, c'est soit des vieilles, soit des jeunes. Je pense qu'on va rester célibataire pour le moment. Hein. Ça me paraît pas mal. Ah, je ne peux pas le croire, ma Cécilie vous a quitté de ce monde et je reste seul. Et le cœur brisé, je ne pourrai plus jamais vous tenir dans mes bras. Je ne sais pas quoi faire de ces sentiments ingérables. On peut se rendre sur sa tombe, ou on peut s'endurcir et on refuse de pleurer. Pour elle, on devient cruel. C'est pas mal, hein, mais... Enfin, c'est pas sûr, d'ailleurs. On va se rendre sur sa tombe. Je sais pas ce que ça fait, juste pour voir. L'autre me tentait bien, hein, mais après tout... On va prendre le... Vice-roi de Bretagne. Voilà, comme ça, on a tout le monde qui... quasiment tout le monde qui nous aime bien. Alors, on a récupéré ça, et là, ça a complètement changé le score de guerre, hein, faut dire ce qui est. Et on va aller faire des sièges par là-bas.
remercie Dieu, il n'y avait pas d'autres visiteurs de la tombe de Cécile lorsque je suis arrivé. J'ai passé plusieurs heures tout près de son corps froid, pensé à la fragilité de la vie et de l'amour. Quand je suis tourné dans mes appartements, c'était comme un signe envoyé par elle, j'ai trouvé son propre bonheur sur le sol. Souvenir de l'être aimé, santé plus 0,50. Bon, alors, en contrepartie, je ne me marie pas. C'est tout. Voilà. Hop, ça je désactive la notification. Je ne veux pas me remarier. C'est plutôt cool, je trouve. Voilà, et là on continue de faire des sièges par ici. C'est très bien comme ça. Lui, il veut se marier avec elle, quoi, si tu veux. Alors, on va peut-être aller mener des troupes. Ça va changer les idées à notre personnage, je pense. Allez, pas Ferrand, donc finalement, il faut prendre Walter. Et on va aller taper les infidèles. Let's go. Valence. Ok. Alors, le royaume de Valence. Hop, c'est n'importe quoi en fait. Bah, faut lui donner à lui, hein. Ou lui retirer. Ça, il va perdre tout ça. Parce qu'il est pas compte de tout ça. Hein. Valencia, Denia et Castellon. Ok, on va lui retirer le titre. Voilà. Donc. Et dans la foulée, on va lui accorder le titre duché de Valence. Voilà, on lui redonne, en fait, ça limite le problème. On va remonter un peu les rapports avec lui, d'ailleurs. Voilà, ce qui veut dire que eux... Séville, ça appartient au duché de Séville. Hop. Séville, je lui donne... Ça appartient à Séville aussi. Hein. On lui transfère son comté à lui. Voilà. Est-ce que j'en ai encore d'autres dans le coin que j'ai récupéré? Ouais, lui, il appartient au duché de Grenade. Ça, hein, ouais. Et lui, on va lui transférer au prince-évêque. Un petit coup de... On peut lui demander de partager sa ligue. C'est peut-être déjà le cas. C'est peut-être déjà le cas. Après, faudrait que je regarde un peu les duchés du coin, mais à mon avis, c'est bon. Alors, de jure, c'est ça, et là, c'est ça. Ok, alors, à qui appartient ce duc? Ah, bah voilà. Je lui transfère aussi le vassalage du duc de Tolède. Voilà. Par contre, normalement, il n'y a pas ça. Ok. Et donc le royaume de Valence. Là c'est ça aussi. Ok, donc ça non, ça n'a rien à voir. Ça appartient, je jure, au royaume de Valence. Non, ça appartient à quoi? Le duché de Majorque. Ça devrait commencer à être sympa là. Lui, je lui donne. Et on est d'accord, hein.
Ouais, ça, ça lui appartient aussi, donc faut que je lui donne le duc, si je peux lui transférer le duc de Majorque. Bah, visiblement, je peux pas. Et ben, attendra de récupérer tout ça. On est à 98%. Franchement, on est en mode pépère là, sur la guerre là. Ça va le faire, mais facile. Hein. Complètement inverser la tendance. Mais j'ai plus personne en fait. Non, j'aurais pas dû attaquer. Grosse erreur de ma part par contre. Hop, oui. Hop, voilà, superbe. Ah bah voilà, ça y est, le pack défensif est arrivé. Alors que j'ai attaqué des musulmans. C'est complètement idiot ce système. Hein. Vraiment. Vraiment ridicule. Hein. On va usurper le titre. Duché de Taher. Voilà. Donc c'est ça, ça, ça et ça. Ouais, alors effectivement, je garde pas tout ça. Oh lolo. Allez, ça recommence. C'est le bordel. Déjà là on a dû donner tous les petits trucs. Ouais, maintenant il faut que je donne les gros. Allez, comme d'habitude hein, je prends le premier qui vient. Toi tiens. 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 Toi, je t'accorde le titre du duché de Taher. Voilà. Comme ça, j'en ai fait un duc. Parfait. Alors, eux, on les range. Et aussi, vous savez quoi, eux. Allez, tant pis. Je les perds. Sacrifice. C'est pas grave. Eux ils vont venir chercher mes troupes et on va rappliquer là-haut. Voilà, ça y est, on a le pack défensif qui est déclenché, c'est même plus la peine. Quelle connerie ce truc. Après j'ai trouvé un cheat code hein, qui permet de le réduire et de... Mais le problème c'est que bah c'est bien, je le réduis, mais officiellement je suis pas censé le faire sachant que... On va donner à lui. Titre honorifique. Sachant que en fait je cherchais un code pour le désactiver. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé un code qui permet de descendre la menace par palier. Le problème c'est que si je le fais à moi, bah les autres ils ont toujours le problème quoi. Alors c'est bien mais c'est un petit peu abusé parce que. Parce qu'ils ne l'ont pas quoi. Si je pouvais le désactiver pour tout le monde je l'aurais fait, mais là. J'ai pas pu. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Tant pis. Et lui aussi, ça lui donnera un titre, il sera content. Voilà, on peut extorquer nos sujets. Non, c'est bon. J'ai un forgeron, non. Bon. Ouais, c'est dommage, mais bon, tant pis. C'est comme ça.
Il va falloir se dépêcher parce que par contre attention à l'attrition qui est violente. Déjà là en mer à mon avis on risque d'en avoir un peu. Et puis on va aller débarquer en partie ici. Question, si j'appuie, ouais bah je peux pas, c'est pas moi qui suis en guerre contre lui. Enfin, comment ça plaire à Marie non. Non, non, non. J'ai trop de vassaux, hein, je le sais, mais je voudrais... Et ça m'empêche pas de donner à lui le royaume de Valence. Ah si, il va récupérer ça. Ah bah non alors. Inscrit moral, hein. Vassaux inclus dans le titre, duché de Mercie et duché de Majorque. Ah non alors, parce que lui il a... Je comprends pas pourquoi lui, je peux pas lui donner à lui en fait. Faut que je l'assassine quoi. On va essayer dans le sens où, mais bon j'y crois pas. C'est bien, ça affaiblit la duchesse d'Aquitaine. C'est pas bête. Et ouais on pourrait duchesse de Bourgogne et d'Aquitaine. Alors, on sait qu'elle a des comtés. Angoulême et le Périgord. Ouais, on va lui annuler le duché de... Bon, tant que j'y suis, je suis en fin de vie du personnage, hein, j'en profite. Essayer de remettre à plat un peu tout ça. Le duché de Bourgogne, voilà, de jure, tac, tac. Ça, ça appartient à qui ? Et puis on va avoir un peu plus de gens qui nous aiment pas. Attention parce que là où j'étais, j'ai dû débarquer mes troupes. Voilà. Ça je le récupère moi et on va pouvoir redistribuer ça à qui ? Bah toi t'as 11 ans. Allez hop, duché de Bourgogne, inclure tous les titres. Parfait. Alors, distribue un peu les factions, ouais voilà, parce qu'on a des gens qui nous aiment moins quand même, hein. En même temps j'ai un peu avoir pas mal de malus à mon conseil, je suis toujours bien apprécié mais je peux pas passer de loi tout de suite, pas avant 1395, ouais c'est vraiment pas tout de suite, hein. Bon on a débarqué nos 39 000 hommes qu'on va scinder en deux. On va re-scinder en deux, donc alors là, 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 et là, on n'est pas en guerre contre lui, hein. C'est pas la Norvège, non. Ah si. Non, c'est bien lui, hein. Bah si, si, c'est carrément lui. La confiance du duc de Valence, on va lui demander. T'es ravi de me parler. Ok, bah parfait. Merde, l'escorte 1452, j'avais dû l'embarquer avec moi encore. Oh là là là. Putain, vraiment j'ai du mal à chaque fois. L'escorte, je l'embarque à chaque coup. Voilà, elle est là.
va se barrer avec. On est en train d'inverser tous les sièges là, c'est cool. Eux vont aller faire le siège de ça. Armella va aller du côté de York. Voilà, là ça, ça diminue. Ça aussi. On inverse une guerre. Et là on peut investir. La majesté. Cour règne moins 0, taille de la cour plus 3. Tolérance. Statut complet des femmes ou le légalisme. Ok, des obligations religieuses, impôts lourds, etc. Non, les vassaux nobles nous aiment mieux ou on a pris un peu de retard, on va peut-être faire ça. On va augmenter la technique de mêlée aussi. On va aller envoyer un peu plus de troupes à lui. On ne peut pas faire de siège ici. Votre fidèle vassal Roland de Conteville vous fait parvenir une missive avec une offre. Ah, je t'aime bien mon fils, mais j'ai pas confiance. Ouais, donc j'étais en tentative d'assassinat là, non, c'est même pas la peine. Attends qu'il crève et puis c'est tout. Chancelier fait un excellent travail. Une cité, un château me donne du fil à retordre, je devrais y ouvrir mon chemin. On veut améliorer l'opinion de la part des vassaux bourgeois ou nobles. Le château. Château. Alors, oui, tant qu'on y est, on n'avait pas un nouveau territoire ici. Bah si, carrément. Qu'est-ce qu'on va nous faire ici? Pas mal de baronnies. On va se faire une autre cité, tiens. On a des sous, alors profitons-en. Voilà. Comme d'avant, transfert. Ah, j'ai récupéré le royaume d'Irlande. Alors, c'est important. Non. Oup, 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 oup. A-t-il de révolte fatimide? Mais comment, toi, tu te retrouves à... à avoir ça, quoi. Mais non, mais carrément pas, quoi. Enfin... c'est vraiment le bordel. Hein. On verra quand la révolte sera finie. Donc, toi. Voilà, le duc de Connacht. Soustraire un vassal du Vexin. Voilà. Travaille en forêt à portée de ses fruits. Bah non, on n'a pas assez de sous. Non, arrêtez de vouloir me donner de l'argent. Voilà. Et le duc de Munster, ouais, bouf. Ah, je t'aime bien, toi. Bonne gueule à devenir roi d'Irlande. Tiens, démerde-toi avec ça. Vous savez quoi, on va arrêter la guerre, là. Il va la finir tranquillement, on a fait ce qu'il fallait. On va ranger les troupes. Et on va s'arrêter là. Encore un épisode long. On avance dans cette fin de partie, on avance. On va avoir plus de gens qui nous aiment pas déjà. De Valence. Allez hop, tiens, viens là toi. Et usurper le titre de Tanger. Que bon, lui se fait plaisir hein, de toute façon. Un petit peu de monde ici, eux on va les ranger. Non mais arrêtez putain, c'est chiant quoi. C'est où? Ouais, ici un petit peu quand même. Hein. On va lui envoyer un cadeau à lui. Et on va améliorer les relations avec lui. Voilà, carrément.
l'anticipation a pris fin, tant mieux. Ah, on a un bout de l'escorte ici. Et un bout de l'escorte là. Allez. Attention, il y a du monde quand même. Hein. Je vais arrêter l'épisode ici puisque je commence à être limité en vassaux. Donc je vais regarder s'il n'y a pas encore des vassaux que je peux dégager, voir ce que je peux faire. Je vais arrêter là l'épisode hein, du coup. Et puis voilà. Bon, ben, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à après-demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye à tous.